Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette des mendiants au chocolat. Vous avez peut-être l'habitude de les acheter tout faits en grande surface, mais je vais vous montrer comment réaliser très simplement ces délicieux mendiants. J'utilise des fruits secs, raisins secs, abricots secs ou cranberry par exemple, qui sont très riches en sucre rapide mais aussi en fibres et en minéraux comme calcium et magnésium. Et j'utilise aussi des fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes, pistaches et noix de coco qui sont riches en protéines, en fibres et également en minéraux. À la fin de cette vidéo, je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir, des fruits secs, raisins secs ou abricots secs par exemple, et des fruits oléagineux, graines de courge, noix de coco râpées, sésame ou amandes par exemple. Les mendiants au chocolat sont enfin prêts. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une recette très simple à réaliser. Pour adapter cette recette, n'hésitez pas à remplacer le chocolat noir par du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Et vous pouvez évidemment utiliser que des fruits secs, que des fruits oléagineux ou pourquoi pas un mélange des deux. Pour ce qui est de la conservation, surtout pas à température ambiante, je vous conseille de les laisser dans une boîte hermétique au frigo. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de desserts au chocolat. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettesansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !